J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. J'ai récupéré un gros paquet d'OTS. Donc, c'est des OTS pour ceux qui ne savent pas. C'est des paquets de récompenses de tournois. J'en ai exactement 27. Alors, 27, c'est cool. Pourquoi? Pour deux raisons. La première, c'est qu'une boîte contient 50 OTS. Et donc, en ayant 27, j'en ai plus de la majorité. Sachant qu'il me semble, et j'en suis pas sûr de cette information-là, qu'il y a déjà un Albaz, donc les ultimates de cette OTS, il y a Albaz, Enchantress et Skilldrain. Il me semble que de cette boîte-là, il y a déjà un Albaz qui est tombé. J'en suis pas sûr, peut-être qu'il est ici, je ne sais pas. Et 27, la deuxième bonne nouvelle, c'est que, la deuxième chose à savoir, c'est que c'est pas un beau chiffre, parce que, voilà, ça fait pas beau sur un titre, j'ouvre 27 OTS, donc j'ai décidé d'en ouvrir 25, et de vous en ouvrir, offrir deux, voilà, pour vous, tout simplement. Donc, pour pas qu'il y ait de triche ou quoi que ce soit, je les mélangerai devant la caméra, et j'en sortirai deux au hasard, et ils seront naturellement pour vous. Pour participer, c'est super simple, juste un pouce, un abonnement, et vous me dites, voilà, quel sera l'ultimate qui sera à l'intérieur, enfin voilà, dites-moi juste, laissez-moi un petit commentaire, tout simplement. L'idée, c'est pas forcément de forcer pour avoir des commentaires, des vues, machin, je m'en tape complètement de ça, c'est juste, pouvoir vérifier que vous avez bien participé, en fait, tout simplement. Pas grand-chose à vous dire de plus, j'espère que cette petite vidéo vous plaira. L'intro était rapide, en même temps, c'est des OTS, on sait qu'à l'intérieur de chaque booster, il y a 3 cartes, et nous, ce qui nous intéresse globalement, c'est que les ultimates. Il y a quelques super cool, genre Graal et Trapiter, c'est des cartes que j'ai un peu envie de récupérer, et les cartes héroïques également, parce que le deck me plaisait. Voilà, bon, on verra de toute façon dans tous les cas, et on aura sûrement d'autres cartes à découvrir. J'en ai pas ouvert beaucoup pour l'instant, j'en ai ouvert moins de 4 ou 5 en tournoi, donc ça sera l'occasion de découvrir pas mal de cartes, parce que je connais pas la liste complète, et on va pouvoir découvrir ensemble tout ça, c'est parti. Voici les 27 OTS, ils sont juste ici, je vais les mélanger rapidement, tac, hop, je vais vraiment bien les mélanger, et je vais en prendre, hop, attention à ceux qui sortent de la caméra, hop, hop, je vais prendre ces deux-là, voilà, ces deux-là, ils sont pour vous. Commentaire, like, abonnement, et j'en tirerai un au pif, je vous les envoie. Je vous souhaite d'avoir des ultimates à l'intérieur, même si je me souhaite à moi quand même de les drop ici. Sachant que, potentiellement, il y a un petit Albaz qui est déjà tombé. Et j'avoue que, bon, je suis un collectionneur d'ultimates, vous savez que j'en ai... En vrai, je sais pas combien j'en ai, il faudrait que je les compte, mais je pense qu'en français, j'en ai plus de 300. Donc naturellement, c'est des cartes que j'ai envie d'avoir, et ça m'emmerde si elles y sont pas, mais c'est les des boosters, donc on peut pas savoir. On a le Gandiva, Agression Nocturne, qui a été reprint. Bon, mais quoi, messieurs, dames, premier booster, malala, mais sérieusement, premier booster, bon bah, ce qui est sûr, c'est que dans ces boosters qui sont là, du coup, il y aura pas de skill drain. Sauf s'il y a plusieurs fois les mêmes ultis dans les OTS, mais je ne pense pas. Et bien écoutez, je suis très content, je vais le mettre ici. Il nous accompagnera et nous donnera la force d'aller chercher Enchantress et peut-être Albaz dans cette vidéo. Je suis extrêmement content. Et bah dis donc, c'est fou, hein. Garde des laves, un Gandiva et un mangeur de pièges. Je vais vous en parler tout à l'heure, le Trapiter, c'est une carte qui se tuto avec Chaos Space et qui peut, justement, par exemple, il y a Skill Drain sur le terrain. Tu peux activer l'effet de ta main, tu sacrifies Skill Drain et tu l'invoques sur le terrain. C'est fort, ça peut être intéressant dans plein de situations. Je suis content de le faire tomber. On a mis le lame, le Gandiva à nouveau et un Monarque des Ombres. Le petit Monarque également. Tiens, je vais mettre toutes les super ici. Il y avait pas d'autres super, par exemple, puisqu'on a fait tomber une ulti. Bon, et bien écoutez, le skill drain qui fait plaisir. Voilà, le petit skill drain qui font, ça c'est un bon reprint, notamment parce qu'il y a Sun Avalon qui est joué, c'est cool, c'est une bonne carte tout simplement. Excalibur, et voilà, j'en parlais tout à l'heure, le petit Graal en super qui fait plaisir. C'est un bon reprint, c'est une carte qui est jouée dans pas mal de listes. C'est, alors certains l'appellent Droplet Wish, faut quand même rappeler que là du coup il n'y a pas de cost, donc dans tous les decks qui ne veulent pas cost de la main, c'est cool. Et puis le reprint en super, c'est toujours intéressant. Scarabée Hercule, c'est une très bonne carte. C'est une très bonne carte de l'animé. Voilà, c'est une carte qu'on avait que en MDP, je crois, et peut-être en speed duel, mais je suis pas sûr. Excalibur et encore un Caius derrière. Je sais pas combien de temps va durer cette ouverture. En vrai, 27 boosters, ça va s'ouvrir rapidement. Il n'y a que 3 cartes à chaque fois. Là, on a encore Excalibur, je vais pas y passer 10 ans. Harlequin et un deuxième Graal. Putain, on va peut-être moyen de taper le petit playset de Graal. Objectif, playset de Graal, playset de mangeur de piège. C'est vraiment les playsets que j'ai envie de taper. Agresseur Nocturne, Destrudo et Graal. Et j'avais dit quoi? Playset de Graal, let's go. On a notre petite playset qui est juste ici, qui va rejoindre mon classeur de staple. Peut-être que si j'ai un petit peu de temps, je vous ferai une vidéo mise à jour de mes classeurs de staple, parce que du coup j'ai rentré pas mal de cartes dans les derniers mois, de cartes qui sont pas forcément jouées, mais qui peut-être un jour seront intéressantes. Peut-être que c'est un peu intéressant de vous montrer ça. Le Hercule, on a Snow qui est réédité. Snow, c'est une très bonne carte en soi. Et là, on a le fameux jeton Slim. Que personnellement je mets dans la catégorie jeton dégueulasse, tu vois. Mais bon,
c'était comme ça. Non, j'ai cru voir le bord. Non, ça c'est un truc. J'ai cru voir le bord, j'ai cru que c'était un ulti. Arlequin, Arlequin que je mets avec le mini, sage œil. Et le deuxième, alors lui c'est le pire. Hein. On dirait vraiment une tub au repos quoi. Genre, c'est vraiment dégueulasse cette carte. Le Kuwata Alpha, bonne carte, parce que vieille, je crois que c'est du TP1. TP1 c'est très vieux, garde des marées et peintre de la douleur. Bonne carte également, je ne sais plus pourquoi, mais il me semble que c'est une bonne carte qui avait quand même pas mal de valeur. Déjà parce que c'est un tuner, c'est un fait, mais il me semble qu'il y a une raison. Garde des marées, une snow et un mangeur de pièges. Si ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires, mais les communes en vrai, j'en ferai pas grand chose. Il y a peut-être les snow que je récupérerai parce que bah, ça va se vendre sur le CM, hein, c'est un fait, on va pas se mentir. Le reste, j'en ferai pas grand chose, donc s'il y en a parmi vous que ça intéresse, bon, voilà, manifestez-vous. Je les offrirai à un d'entre vous qui s'est manifesté pour ce sujet-là. Amplificateur, garde des marées et du Berfomet. C'est vrai qu'il y a du DD en rareté qui reprint, alors qu'on a toujours pas de rareté sur les Latinister, hein, mais bon. Red Reboot, bonne carte, mangeur de piège, playset. Je suis content, les deux playsets de Super Team intéressés, on les a. Agresseur Nocturne et derrière du Bot Artiste. Il ne reste plus beaucoup de boosters. J'aurais bien voulu voir la tête d'Enchantress. Une Snow, un Gardeva et un Roi des Flammes. Oh, elle est là. Oh, elle est là, je l'ai vue. Attendez, est-ce qu'on la voit? Est-ce qu'on a les défauts d'impression? Voilà, exactement. Donc ça, c'est quelque chose que vous voyez sûrement faire dans les tournois. Les gens, quand ils ouvrent des OTS, ils regardent souvent la dernière carte à l'envers. Pourquoi? Parce que là, comme vous le voyez, eh ben, en fait, vu que c'est une ultimate, elle est frappée, elle est imprimée. Et donc, elle ressort sur le dos. Donc, on a un Kuwata, on a une floraison, et on a cette BG. Elle est incroyable. Regardez l'effet dessus. Oh, oh là là, mais mort, elle est incroyable. On va la mettre juste ici. Tac. On vise, en vrai, on vise le Albaz. En vrai de vrai, on vise le Albaz. Ça serait incroyable d'avoir 27 boosters et d'avoir les 3 ultis. En même temps, la moitié de la display, 2 ultis, c'est déjà incroyable, tu vois. On avait une chance sur 2 que ça arrive. Pareil, le Graal, j'en ai pas besoin, donc je les mets dans les cartes. Cette carte-là, elles iront dans le lot qui sera rajouté probablement au concours. Mais en vrai, il y a moyen qu'on tape une 3ème ulti. Ça serait fou. On aurait beaucoup de chance. Parce que là, on avait grosso modo une chance sur 2. Et étant donné qu'il y a 3 ultis dans un booster de 50, dans 50 boosters, on avait, en ayant la moitié, un peu plus de la moitié, on avait une chance sur 2 d'en avoir au moins, alors une quasiment sûre du coup, on n'aurait vraiment pas eu beaucoup de chance, et 2, on avait grosso modo une chance sur 2. On pourrait tenter, espérer, rêver de la dernière. Ça serait incroyable. Hop, un peintre de la douleur. Un Graal. Ah, j'y crois pas trop, putain, il en reste 4. Ça serait incroyable, vraiment. Ah, c'est un Berfomet. Ça serait incroyable. Vous savez quoi, les derniers là, putain. Vous savez quoi, alors je l'ouvre dans la caméra, je ne regarde pas. C'est vous qui le saurez et je regarderai juste après. Ah, au toucher, je sais que c'est pas une ulti. Ah, bon, tu me diras, c'est cool, ça me permet de finir mon peintre. Le dernier, c'est pareil, je l'ouvre. Allez, vous savez ce qu'on va faire. Je vais vous dire, avant quoi que ce soit, c'est une ulti ou pas. C'est pas une ulti. Garde des laves, émissaire et yeux impairs. Donc, les deux derniers boosters, ils sont ici. Si ça se trouve, et j'ai un peu le seum, on vous dit ça, mais je me suis engagé à le faire, donc je le fais. Si ça se trouve, il y a un Albaz là-dedans. Si ça se trouve, il y a un putain d'Albaz là-dedans. Je suis quand même très content de plusieurs choses. Alors déjà, les playsets, voilà, les petits playsets comme ça, ça fait toujours plaisir. Moi, je playset, il en manquait une. Je suis toujours content de récupérer ça. On a nos deux ultimates. Elles sont vraiment incroyables. Alors, le skill dernier est cool, c'est un fait. Mais en vrai, l'enchantresse, regardez. Je sais pas si je peux zoomer plus. Je sais pas si le macro va se faire. Regardez-moi ça. Très content d'avoir eu ces deux ultimates, plutôt content d'avoir, voilà, je suis content de l'ouverture. Je rappelle, ces deux boosters là sont pour vous. J'ai un peu le seum parce qu'en vrai de vrai, il y a moyen que la troisième elle soit là dedans. Parce que je pense que l'Albaz a déjà été ouvert, mais j'en suis pas sûr. En fait, il y avait plusieurs boîtes, il y a un Albaz qui est tombé, est-ce que c'était vraiment celle-là? J'en suis pas sûr. Et bien voilà, cette vidéo est maintenant terminée. On a eu les deux BG là, je suis incroyablement content de les avoir.
Il reste évidemment deux boosters, mais j'en ai assez parlé pendant cette vidéo. C'était assez rapide. C'est vrai qu'en ce moment, j'ai moins le temps de faire des longues vidéos sur lesquelles avec des sujets qu'il faut traiter, etc. J'ai moins le temps de jouer tout court. Et pour être très honnête, le jeu me plaît un peu moins et ça me fait extrêmement peur le format post-pote parce que j'ai vraiment peur que le jeu me plaise plus du tout. On va vraiment retourner dans un format qui me plaisait déjà pas à l'époque, style Link Cross, où soit tu joues un deck où t'as 20 entrapes, soit t'es mort. Là j'aimais bien ce format là où j'arrive à même encore jouer Orcus, tu vois, j'aime bien ce format là parce que tu peux jouer des formats où tu peux un peu plus t'amuser. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je ne vous abandonne pas, voilà, je continuerai à faire des vidéos sur ma chaîne quoi qu'il en soit. Ça se voit que je m'intéresse moins au jeu puisque ça se ressent dans mes vidéos tout simplement, je pense en tout cas, puisque les vues sont de moins en moins présentes. J'espère que cette vidéo vous plaira. En tout cas, moi j'ai passé un bon moment, je suis content d'avoir pu ouvrir quelque chose avec vous, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, le pouce, l'abonnement, sans plus attendre, prenez soin de vous, faites nombreux duels et collection de cartes, et surtout à bientôt les potes. Allez, ciao!